5 4 3 2 1 Salut à tous les phénomènes, ici c'est Phénomène Fla et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de 01Hero sur FIFA 20. Oh yeah! Alors les amis, dans l'épisode précédent, c'était la grosse fiesta, nous avions fait un match du tonnerre juste énormissime, mais en plus de ça, que dire de plus? Je vais aller tout de suite sur les infos. Nous avons, en plus de ça, attendez, faut que je retrouve. Alors où est-ce que c'est? En plus de ça, bon attendez, faut que je retrouve. Voilà. Ah! Oui, je veux descendre. Voilà. Regardez en plus de ça. J'ai remporté, mesdames et messieurs, le ballon d'or. Et ça, c'est juste wonderful, c'est magnifique, c'est énorme. Franchement, je m'y attendais pas. Et pourtant, d'après ce que je vois, j'avais des concurrents. Parce que là, j'avais Mbappé, il y avait Hazard et Mohamed Salah qui était avec moi. Et ça, je ne l'avais pas dit dans l'épisode précédent. Mais une chose est sûre, quoi qu'il arrive, nous avons remporté le ballon d'or. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Alors les amis, au programme aujourd'hui, nous allons affronter le petit club, enfin petit, on va quand même essayer de gagner contre eux parce que c'est pas encore joué d'avance. Nous allons affronter le club de Alaves. Alors avant d'y aller aussi, on va faire un petit point sur le classement. Alors pour le moment, nous sommes 4e toujours et nous sommes assez loin quand même. Dieu sait Barcelone, mais bon, ils ont un match d'avance pour le moment, il faut qu'on joue celui-ci. Mais on est obligé de gagner parce que sinon, ben, ça va être compliqué de jouer le titre cette année. Alors aussi, je vais vérifier un petit truc. Est-ce que j'ai bien le numéro 50? Parce que je sais que parfois, il se défait. Non, j'ai bien fait. Donc, voilà. Voilà, voilà. Comme ça, j'ai le numéro 50. Parfait. Continuez. Oui, c'est tout ce qu'on aime. Bon. Du coup, les amis, trêve de bavardage. Il est temps de passer au match. Mais avant cela, je vais vous demander de faire péter un maximum cette barre de pouces bleus. Franchement, ça me serait énormément utile, puisque grâce à ça, bah, vous pourrez aider la chaîne à gagner en visibilité, et puis vous aiderez aussi mes vidéos à gagner au niveau des référencements, à être plus visible, et puis aussi bah, pour montrer que voilà, vous aimez ce que je vous propose comme vidéo, pour me porter soutien, et aussi bien évidemment, si ce n'est pas encore fait l'ami, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, pour ne pas louper mes aventures gaming, urbex, théorie, court-métrage, parce que oui, je ne fais pas que du gaming, ni que des vidéos FIFA, je fais aussi plein d'autres contenus variés. Voilà, voilà, c'était l'instant pub, et oui, je fais dès le début de vidéo, mais bon, comme ça, je le rappelle, parce que voilà, les pouces bleus, c'est un petit peu timide pour le moment, donc je compte sur vous, de toute façon. Allez, sur ce, les gars, je compte sur vous, donc n'oubliez pas le petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, et de vous abonner, évidemment. Sur ce, trêve de bavardage, j'ai assez fait ma pub, il est temps d'y aller, on va affronter le club de Alaves. Donc les amis, je vous retrouve tout de suite en direct du stade de Santiago Bernabéu pour ce match. A tout de suite. Saludos desde el Bernabéu en este día tan espléndido donde esperamos disfrutar del fútbol de calidad. Aquí estamos los amantes, no los de Teruel, sino los de fútbol González y Lama. Vamos a ver qué sucede en este partido de la Liga Santander. Sobre el campo estará el Real Madrid, que tendrá enfrente al Alavés. Hola Manolo, hola a todos. Hoy toca partido de la competición de la regularidad. Seguro que ambos equipos lo tienen todo preparado para enfrentarse al rival e intentar hacerse con los tres puntitos. Exactement, on est prêt pour un match qu'on l'espère palpitant. Mais dans tous les cas, nous, on va se donner à fond et surtout, on va faire honneur à ce ballon d'or que nous avons remporté. Et oui, Eden Hazard n'a pas été ballon d'or, mais il était candidat. Je ne le savais pas, donc voilà. Et j'espère cette fois-ci que Zidane va commencer à nous faire confiance. Parce que bon, comme vous le savez, nous ne sommes pas encore installés en tant que titulaire incontestable. Mais j'espère franchement que Zidane va s'en rendre compte et que j'ai du talent. Parce que bon, gagner un ballon d'or quand même, c'est que j'ai du talent, hein. On va pas se le cacher, c'est quand même le titre du joueur de l'année. Donc voilà. Alors regardez-moi ça. Quelle prestance en plus. Et la classe, je suis juste devant Eden Hazard. Si c'est pas magnifique et symbolique. Donc ici pour ce match, comme vous l'avez compris les amis, je serai associé également au niveau de l'attaque à nos amis donc Gareth Bale,
et Eden Hazard, évidemment. Alors aujourd'hui, Ceballos va jouer, Firmino va jouer, parce que comme vous le savez, il y a des blessés. Donc, par exemple, Sergio Ramos et autres. Alors, de l'autre côté, du côté du Deportivo Alaves, contre qui allons-nous jouer? Ouh, Kolarov, déjà, ça c'est un très grand nom, donc ça veut dire qu'il y a une défense assez costaude. Camacho, très bon joueur aussi, plein de talent. Ensuite, là, c'est un peu pareil. Et devant, Konaté, qui est très bon aussi d'ailleurs. Donc, il y a quand même de la qualité dans ce club de Alaves. Bon, sur ce, les amis, très de bavardage, il est temps de passer à l'action et de faire honneur à ce ballon d'or que j'ai remporté dans l'épisode précédent. C'est parti. Allez, on y va, on se montre. Il est temps que Zidane voit notre grandeur. Et surtout qu'on peut apporter énormément à l'équipe. Ok, je passe. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, Eden Hazard aurait fait une faute. Bon, je comprends pas trop. Bref, c'est pas grave. Il y a des choses qu'il faut mieux pas essayer de comprendre. Allez, c'est parti, on y va, on y va, on y va. On y go. On va droit devant, droit devant. Ok, remets-la en derrière, parfait, très bien. Allez Eden, faut avancer. Voilà, regarde, je suis là. Très bien, reviens. Voilà. Ah, ça c'était un peu compliqué là, ce que tu as voulu me faire. Là ici. Ah, bon, par contre les petits gars, je vais devoir mettre pause, mais je vais aller quand même jusqu'au bout de l'action. Ok, bon, les amis, je fais une petite pause et je reviens tout de suite pour ce corner. Et ben voilà les amis, on est de retour. Désolé pour cette petite coupure, mais c'était important. Oh! Eh ben, ça c'est de la bonne reprise. Dommage qu'elle a pas terminé dans le but. C'est qui a mis cette tête là? Ah, j'ai pas pu bien voir, j'ai une hésitation. Est-ce que c'est Casimiro ou c'est Militao? J'ai une hésitation. Oui! Ah, je suis là! Ah. J'aurais préféré mettre une tête qu'une reprise de volée. Ça aurait peut-être passé, mais bon. C'était quand même compliqué parce que le gardien était quand même là. Ils ont eu chaud à la veste. T'es vu? Ah! Il n'a pas suivi Eden. Oh, dommage. J'aurais peut-être dû y aller sur ce coup. Mais pour le moment, on n'a rien fait de mal. Tout va très bien, au contraire. Clac, en bas. Oh, flûte. J'allais faire le dédoublement. Vas-y. Oh. Dommage. Firmino qui était là. Allez, Roberto. Ah, on n'y a pas. Allez, Toni Kroos. Quelqu'un doit aller sur Konaté. Là, ce serait bien. Bien. Je t'ai vu. Bon, il n'a pas compris le mouvement que je voulais faire. Bon, je tente. Passe pas. Bon, là, c'est plus de mon ressort. Varane, je te laisse t'en charger. Et là, c'est sûr, c'est Varane. Allez, Varane, chope-le. Bien. Quel. Allez, on avance. On avance. Là. Nickel. Là-haut. Hop. Ah, pas maintenant. Il a compris ce que je voulais faire, Firmino, mais c'était pas maintenant qu'il fallait lâcher. Trop tard. Bref. Bon, je m'en mets en place. Oh, bien, Mendy. Je suis là. Vas-y Eden. Oh, on a des occasions, mais on n'arrive pas à les rentrer. Ah là 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 là. Allez, Alaves, c'est largement prenable. Hein. Il y a moyen. Ouh ouh. Ouh l'erreur. Moi j'étais là en fouine. Golasso l'erreur. Et voilà mon but. Oh là, l'erreur d'Alaves. Oh là là, l'erreur de relance. Et j'étais là en fouine. Caché juste derrière. Et hop là. Et ben voilà, 1-0 pour le Real. Et but de moi-même. Ouh, ça fait plaisir. Et ben on commence bien. Incroyable. Ça, c'est ce qui s'appelle de l'opportunisme. Allez, faut continuer les petits gars. On est parti à fond. Et j'espère que Zidane t'en prend en note. Hein. Allez, Erigo, Erigo. C'est mon cinquième but déjà en 4 matchs. Ça fait beaucoup. Allez. La direct, voilà, pression, on y va, on est présent. Allez, petit coup de main, ce serait bien. Nickel, bien Gareth. Lâche-moi, parfait. Ah, j'ai failli passer.
Ah, ça s'est pas joué à grand chose. Ok. Ok, attention. Là, en bas. En bas. Oh là 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 là, Firmino. Ah non, c'est Militao. Décidément, c'est compliqué à les reconnaître de loin, parce qu'ils se ressemblent tous. De près, ça va, mais de loin, oh. C'est Militao, là. Là. Bon, je croyais que Ferland Mendy allait couper, mais bon, visiblement pas. Ah non, il fallait me la refaire, j'étais là. Oh mince. Ah oui. J'ai été trop rapide là-dessus. Je suis arrivé trop rapidement et du coup je fais une faute inutile. On allait avoir la balle, tant pis. C'est hors jeu Eden, je parie. Non, non, ça va. Fais-la moi. Voilà. Ouais, il fallait tenter. On retente une fois, une deuxième. Ah, décidément, ça passe pas. Orsoloni, on n'arrive pas à le passer. Hein. Bien. Ok, là-haut. Faut que je tente. Ouh, elle était bien croisée celle-là. Sorti. On est bientôt à la mi-temps, les petits gars. Ok, ok. On est là. Pour le moment, tout se passe bien. Ah, Eden a failli passer. Dommage. Allez, faut continuer le press. Ah, mais... Faut me prévenir quand on me fait une passe ainsi. Je peux pas deviner. Moi, je croyais qu'il allait continuer à avancer, mais bon. Des fois, je comprends pas mes coéquipiers. Là. Ici. Attends. Maintenant. Là. Eden, je te vois. Mais je vais la mettre là. Faut que je tente. Là. Passe pas. Ok. On calma. Reste à mon poste. Contre-attaque, allez. Et je te vois Gareth, vas-y, plonge. C'est pour toi, t'es plus rapide. Donc tu peux aller jusqu'au bout. Centre. Ouh, je suis à deux doigts de mettre la tête. Ouh. Il a de la chance le défenseur d'être bien revenu. Enfin, c'est pas de la chance, non, c'est un bon placement. Bref, vous m'avez compris. Attention d'ailleurs à la contre-attaque menée par le Deportivo Alavés. Ok, vas-y Eden, plonge. Maintenant, voilà. Plonge. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Oh là là, il doit aller tout droit et il va pas. Vas-y, maintenant tire. Oh là là, Eden, qu'est-ce que tu gaspilles? Il cherche compliqué, Eden Hazard, il me semble. Il cherche beaucoup trop compliqué. Il doit accélérer tout droit. Et je sais qu'avec sa qualité de dribble, il peut mettre tout le monde dans le vent. Et ici, bah, il a fallu du temps pour qu'il frappe. Hein. Clairement. C'est un mauvais corner. Très mal botté. Ok, je suis là en bas. Ok. On est ici. On fait là en arrière maintenant. Ah ouais, mais ils mettent trop de temps. Beaucoup trop de temps. Mes coéquipiers à me faire la passe. Ça faisait longtemps que je l'ai demandé. Et il la lâche au dernier moment. Et voilà, ça fait une frappe dégueulasse. Bon, pas grave, ça va bientôt la mi-temps. Et on peut voir que pour le moment, ben, on domine largement les débats. Je suis quand même déjà à 8 frappes. Et mon rival, du côté du Portivo Alavés, est à 0. Bon, et ben, faisons point sur la mi-temps. Ben, clairement, on est au-dessus. On devrait mener avec beaucoup plus de buts que ça. Problème, c'est que j'ai l'impression que mes coéquipiers, ben, soit ils se reposent trop sur moi, ou alors... Je sais pas, ils ont peut-être peur ou ils veulent faire une belle action absolument, alors que parfois jouer simple c'est plus efficace, mais bon, enfin bref. On va se diriger vers la seconde période et j'espère qu'on va creuser l'écart parce que... Voilà, alors au niveau des résultats, pour le moment c'est toujours pas le Barça, bah non, ça on va pas nous le dire. Atlético Madrid a gagné 2-0, 2-1 pardon, oh là là, ça va aller. Ok, on y va. Et pour le moment, c'est que du positif, juste un petit point rouge, mais on s'en bat les queues, comme vous le savez, parce que ça ne veut rien dire. Bon, allez, droit devant. Ah, je passe pas. J'ai tenté, parce que bon, personne qui m'a suivi. Parfois, un petit gris-gris, ça peut aider. Allez, faut aller sur lui. Faut aller sur Lucas Pérez. Bien, Ferland Mendy, bonne défense. Allez, on tient le bonbon. Ok, attention derrière. Défense Gareth.
Ah, c'est pas moi qui vais y aller, hein. C'est vous qui devez y aller, hein. Toi et Ferlomendi. Voilà, moi, je suis là, voilà. Je t'ai vu Gareth Bale, plonge. T'es rapide, donc vas-y. Ok, ça revient encore derrière, alors que je comprends pas, en fait, pourquoi ils viennent tout le temps derrière comme ça. Il y a tellement moyen de les prendre de vitesse, c'est un truc de fou. Mais je sais pas ce qu'ils attendent. Et alors des passes un petit peu hasardeuses comme ça, j'ai l'impression. Ils sont pas contrôlés. C'est perturbant. C'est perturbant. Bien. Allez. Faut que je tente. Ouh. On va chercher le corner. Ah, il fallait tenter. Et en plus, j'ai une bonne note. 9, c'est excellent. Faut essayer de la garder. Oh. Frappe tendue, celle-là. Allez, botte-nous là comme il faut. Ok, ma tête n'a pas su aller plus loin parce que j'avais un bon défenseur sur moi. Allez, ça va revenir. Allez, fais-nous quelque chose de bien. On prépare dans le centre. Allez, faut que ça avance. Allez. Ok. Bon, là, par contre, elle avait du coup est très bien installée. Là, en défense, on les fait sortir. Maintenant. Trop tard. Maintenant. Encore. Deuxième. Faut que je tente. Ok. Bon, ma frappe n'a pas su inquiéter autant que ça que le gardien, mais bon. J'ai cru que ça allait finir mieux que ça, mais bon, bref. C'est qu'il était vigilant. Ok. Bon, Gareth. Voilà, plonge. Voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer. Mais là derrière, voilà. La passe, boum. Oh, mais c'est pas possible. Casemiro, faut la mettre dedans, ça. T'es tout seul, je t'offre le caviar et tu arrives à me mettre de côté. Oh oui, pas qu'un peu. Oh là 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 là, ça lèche. On doit pas les louper, ça, quand on est au Real Madrid. On n'a pas le droit de les louper. C'est un des meilleurs clubs au monde. On va pas me dire qu'un des joueurs du Real vont louper des trucs pareils. Oh là là, Casemiro, bon allez, on va essayer de penser positif. Bon. Allez, on reprend le devant, voilà. Bien Pogba. Asensio, je te vois, je te lance. Refais là ici. Voilà. Là, il faut qu'il y ait des gens qui montent. Bah, il n'y a personne qui a suivi. Et on met mauvais centre. C'est compliqué des fois. Je comprends pas mes partenaires sur leur déplacement. Bien Pogba. Il n'y a que Pogba qui a me comprendre pour moi. Voilà. Oh, pas mal. Boum. Non. Comment j'ai fait pour la louper celle-là? Attendez, je veux voir. Donc là, je fais le bon déplacement. Oui, l'appel. Bah, elle passe pas loin. Allez, faut la mettre dedans. J'ai pas le droit de la louper. Hein. Normalement, le match, il est déjà tué depuis au moins une demi-heure. Ou peut-être on va refaire la même. Non. Oh, le match, il devrait être tué, là. Je devrais l'avoir mis. Oh. Allez, bonne défense. Voilà, faut tenir. Allez, faut tuer le match. Qu'on soit tranquille. Allons, Mendy. Bien. Oh, je suis là. Parfait, boum. Wouah, Casemiro qui n'arrive toujours pas à la rentrée. Mais il faut dire, là, cette fois, c'est le gardien qui a été très bon. Parce que là, c'est une frappe à bout portant. Il n'est pas si évident que ça a trompé, ce gardien, malgré tout. Il a un peu de réussite parce qu'on loupe nos frappes, mais malgré tout, faut pas lui enlever son talent. La tête. Oh, il n'y a personne qui a suivi ma tête. Ah, elle va sortir. Mauvais tir, oui. Là, le jeu, c'est une blague, là. Tu rigoles. C'était une bonne tête. C'était une bonne tête, c'est juste qu'il n'y a personne qui l'a suivi. Et encore, je suis même pas sûr d'avoir tiré. Il me semble que c'était une déviation, juste que je voulais faire. Mais bon, bref. Là. Ok, maintenant. Ah, faut lâcher plus tôt. J'étais dans le centre tout près. Des fois, je ne les comprends pas, mes coéquipiers. Je ne les comprends pas. Là, ici. Ah, j'ai changé de poste. Je suis milieu gauche. Ok. On m'a fait descendre. Boum. Ok, ça passe pas. Bon, milieu gauche. Donc, droite, gauche. Ok. Je suis en soutien de Asensio. Ça marche. Bon, par contre, c'est vachement bas par rapport à ce que je joue. Et c'est Pogba qui passe en buteur. Ah, d'accord. C'est bizarre. J'ai jamais joué milieu gauche. Ça va faire tout drôle. J'aurais joué à tous les postes au Real. Milieu gauche et droit. Ah, c'est compliqué. Enfin, ça va me tuer, hein, toujours devoir revenir comme ça. Nickel. Bon, par contre, là, ça va être complicado. Quelqu'un vient de m'aider.
Pogba, je t'ai vu très bien. Boum. Encore une frappe de ma part. Recorner. Ça mériterait de rentrer, mais elle veut pas. Elle veut pas rentrer, la coquine. Enfin, faut dire qu'il y a un bon gardien aussi en face. Ok. Là, je monte un petit peu. Allez, mettez la tête. Allez, Pogba. Hop là. Allez. Oh, Zappa Costa. Faut aller dessus. C'est moi qui dois tout faire. Hop là, regardez-moi ça. Je reviens carrément comme défenseur gauche, là. Pas normal, ça. Je suis censé être mis en buteur, mais en milieu gauche. Par je ne sais quel stratagème. Pogba. Boum. Bien, Pogba. Allez, re-corner, on est reparti. On presse. Il reste 5 minutes de jeu. Enfin, 6. Mais bon. Il reste, allez, 5 minutes 30 exactement. Mais on mériterait de la mettre. Hein. On mériterait. Re-corner. On recommence. Ok, je me mets en place. Vas-y. Bien tenté. Ok. Ouais, il faut récupérer un petit peu. Là en bas. Ok, là je suis là. Bien. Ok. Maintenant, lâche-moi. Boum. Oh là. J'ai failli mettre une lucarne, mais comme par hasard, la latte sort ma balle. Oh, ça aurait été beau ce but. Ah, on n'a pas de chance, ça se joue à peu. Oh là là. Ça devrait être plus lourd le score. Ça devrait être plus lourd que ça. Ah ouais, je joue comme vraiment très bas. En fait, je suis vraiment en soutien de Asensio, en fait. Ok, faut que je reste bien dessus. Bien. Ok. Allez, on avance. Pogba, je te vois. Boum. Voilà. Au centre. Waouh, c'était pas loin. Waouh. Ouais, je vais vraiment sprinter comme un malade. Ils vont me tuer à la fin du match. J'ai jamais dû autant sprinter. Allez, faut tenir. Allez, Kroos, va dessus. Bien, Kroos. Allez, pousse. Bien, Kroos. Ok. À la Asensio. Voilà. Eh ben voilà. Bon, petite victoire. On aurait dû aggraver le score, mais c'est une victoire quand même. 1-0. Et en plus, c'est moi qui marque. Alors. On me dit que je suis pas l'homme du match, en plus avec tout ce que j'ai apporté, franchement. I don't understand. Hein. Et ben voilà, très bon match. Alors du coup, homme du match, oui c'est moi, c'était logique. Et 16 tentatives quand même, dont 2 qui auraient pu finir dedans. On a quand même donc fait honneur à notre ballon d'or quand même. C'est pas si mal que ça. Bon les amis, du coup, on fait un petit coupure habituel et on se retrouve directement pour le menu pour voir le classement général. A tout de suite. Bon, et ben les amis, nous sommes de retour donc pour le menu. Alors, comme vous pouvez le voir, le prochain match c'est contre Malaga, mais je n'ai pas été retenu. Tiens donc. Bref, il y a des fois je ne comprends pas Zinedine Zidane. Je suis déçu. Je fais tout pour que le Real gagne et puis, ben voilà, comment on me récompense. Heureusement, on a gagné. Bon, c'est pas des points perdus, c'est déjà ça. Alors, après. Ouh, demi-finale justement de la Super Coupe d'Espagne. Ça va être intéressant à regarder. Bon. J'espère que j'ai été repris, je croise les doigts. Si pas, bon, on vous fera l'occasion d'avoir ça. Si je suis repris, ben, il y aura un bel épisode pour la semaine prochaine, ce que j'espère. Bon, là, on va lancer tous les entraînements qu'il faut. Comme ça, voilà, on est nickel. Chrome. Tac, 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 voilà. Voilà, on lance tout. On passe à 88 de puissance de tir, ça c'est intéressant. Ok, nickel, bon. Du coup les amis, on avance jusqu'à la date fatidique. J'espère que c'est pas non plus trop loin, normalement ça devrait aller. D'ailleurs on va rentrer bientôt en période de transfert. Bon. Tu sais c'est encore long. Elle est où cette rencontre de Super Coupe? Ah, j'ai eu une notification, je sais pas ce que c'est. On va voir. Bon, en attendant, on va attendre que ça simule. En tout cas, pour le moment, au Real Madrid, moi, personnellement, bah, j'espère qu'un jour, on me fera confiance. Parce que bon, sinon, je risque de partir. Et j'ai pas été retenu. Ah, bah, génial.
Génial. Bon, alors c'est quoi la notification? Blessé à l'entraînement. Raphaël s'est blessé à l'entraînement. Ok, bon. Je veux pas dire qu'on s'en fiche, mais bon. Voilà, c'est accessoire. Bon, ok, j'ai pas été retenu. Ok, bon, bah tant pis. Hein. Et dans l'équipe UEFA de l'année, dans les attaquants, en plus, regardez qui est nominé en plus. Je suis nominé. C'est quand même un truc de fou. Je suis nominé dans les meilleurs attaquants de l'année et je suis même pas titulaire quoi au Real. C'est incompréhensible. Je comprends pas la technique de Zidane là, sur ce coup-là. Enfin, c'est depuis que je suis arrivé que je comprends toujours pas. Enfin bref. Bon, bah dans tous les cas les amis, ça sera donc tout pour aujourd'hui. Je sais pas quel match je jouerai, mais bon, on verra bien. Waouh, on va le simuler quand même. On va le simuler, j'ai envie de savoir si on passe au moins Séville. Je veux savoir. J'ai envie de savoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? On gagne, donc c'est qu'on va en finale de Supercoupe. Peut-être qu'il va me faire jouer la Supercoupe, peut-être. On verra bien. Bon, par contre, je vais essayer. Remettre des entraînements. Vos claques, on les met. Ça, c'est une chose de faite. Donc, sinon, franchement, au Real, il y a moyen que je me sente bien. Le seul souci, c'est que j'ai l'impression qu'on ne fait pas encore assez confiance, alors que clairement, j'ai déjà, je vais pas dire que j'ai déjà tout prouvé, mais bon. Quand tu es ballon d'or, qu'en plus de ça, tu marques à tous les matchs que tu joues avec le Real, et qu'en plus tu mets en valeur tes coéquipiers, logiquement, tu devrais être titulaire. Enfin bref, j'essaie de ne pas comprendre, ça ne sert à rien, je crois. Faut que je sois patient, et peut-être qu'un jour, mon heure arrivera. C'est tout ce que j'espère. Alors, mail, qu'est-ce que c'est? Militao suspendu. Ok, d'accord, sans plus. Ici. Atlético de Madrid, justement, en finale. Derby madrilène. Alors, on va voir ce qui se passe. Regardons un petit peu. Alors, j'ai pas été retenu. Ah bah, génial. Bon. Je vais simuler ça aussi. On va voir ce que ça donne. Ah, si on perd, c'est de leur faute. Ouais, on perd. Donc, on n'a pas gagné la Supercoupe. Merci le Real de ne pas m'avoir fait confiance. Ha, ha. Bon. En bref, on va s'arrêter là bon, pour les simulations. Et comme vous pouvez voir au classement, bah, c'est un peu catastrophe quoi. On est quatrième, le Barça a 8 points d'avance. Ça commence à devenir difficile de jouer le titre. Ça va être compliqué. Cette année, ça s'annonce très très rude. Bon, et ben, en tous les cas les amis, j'espère malgré tout que cet épisode vous a plu. Et puis bon, on a quand même fait un très bon match. Même s'il n'y a pas eu beaucoup de buts, il y aura eu des actions. On aurait pu aggraver le score, mais bon. C'est comme ça, on peut pas faire mieux. Bon, si ça ne veut pas rentrer, ça ne veut pas rentrer. On a buté contre un très bon gardien. Le gardien d'Alavés, c'était vraiment très très bon. Et puis on a manqué aussi un peu de chance sur le côté. Enfin bref les amis, donc n'oubliez pas, je vous le rappelle tout le temps et je le répéterai jamais assez, n'oubliez pas de liker les vidéos pour m'aider dans ma passion, pour montrer que vous aimez le contenu que je vous propose, et puis pour m'aider au niveau des référencements et ainsi aider mes vidéos à gagner en visibilité. Et puis en même temps, bah, tout simplement pour les aider... à être plus visible, voilà. Je pense que c'est plus clair comme ça. Et puis en même temps, n'oubliez pas évidemment, si ce n'est pas encore fait ou que vous êtes nouveau, d'ailleurs je vous souhaite la bienvenue, de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour m'aider dans ma passion également, et tout simplement pour me soutenir, pour montrer que vous me soutenez, et ça me ferait le sang en plaisir. Et comme ça, vous ne pourrez pas louper mes aventures gaming, urbex, théorie et court-métrage. Sur ce les amis, c'était Phenomen Fla. Voilà, je viens de bafouiller mon intro. Je fatigue, c'est la fin de journée, excusez-moi. Donc, c'était Phenomen Fla. N'oubliez pas que je vous adore les amis, vous êtes phénoménaux et je vous retrouve donc pour de prochaines aventures. Très vite. Allez, ciao ciao. Don't you be afraid, everything will change, you and I, jumping off the edge, they say dreamers never die, so